Vous voulez dire, on est un ministre, il va pas poursuivre ministre. Je ne comprends pas. Il va pas poursuivre ministre même après le fin ministre. Je ne comprends pas ça. Moi-même, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. À la nouvelle constitution qui dit que pas de gagner le Sénat, je ne suis pas d'accord. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait débat qui fait. Je dis à la c'est débat. On n'est pas intellectuel ou son groupe donné et vous parlez faire débat. Ou si ça joue ou plein de jouer. Ou pas qu'on achète à jouer lors de son groupe politique ou son groupe social, c'est débat pour nous faire. Et ça que nous avons matin débat, nous-mêmes nous disons c'est débat éclairé, débat contradictoire. Bien matin pour le dire, mon cher, moi-même, mettez le côté d'accord, mettez le côté pas d'accord. Josué Lexidor, même bagarre là. C'est ça le débat. Au niveau de la population, maintenant, dans le pays à là, je dis à là, t'as dû avoir un seul débat. Constitution, est-ce qu'il doit changer ou il ne doit pas changer? 1957 là, constitution 1957 là, est-ce que bon travail, est-ce qu'il y a un respect après 1956 jusqu'à nos jours, est-ce qu'il a été respecté? Quel que soit le pouvoir passé, est-ce qu'il a été respecté la constitution? Et là, vous allez. Ce n'est pas dit population Alcazé brisé. Ce n'est pas dit population Alcazé tout côté qui a fait 4 démalogues. Je dis à la grosse équipe, on ne peut pas faire 4. Parce que, sous boudon là, nous devons Alcazé, espace côté a fait 4 électorales pour Mounio. 4 identifications pour Mounio. Mais il n'y a pas 4 soi-disant 4 électorales. Il n'y a pas voter avec elle. Mais ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas pour faire, pour voter seulement lié. Peuple haïtien, nous même demandons des débats pour nous mentir. Avec les Kabdou, oh oui, pas quitter Jovenel Moïse, faire référendum, non. Pas quitter Jovenel Moïse, faire élection. Parce que les gens ont intérêt dans ça. Ils ont intérêt. Si pas gagner élection, pas gagner référendum, la baboutique comme ma saleté, monsieur, depuis 4 ans. Pas oublier, non? Monsieur, il y a 4 ans, monsieur Damio, il y a 4 ans. Il y a salambé Jovenel Moïse, il y a calonné Jovenel Moïse, sous base que monsieur Padguidois élu président. Mais! Il va jamais gonfler Venio derrière Jude Célesté. Il va jamais gonfler Venio derrière Moïse Jochal pour faire Moïse Jochal président. Il va jamais gonfler Venio derrière Jean-Henri Seyan pour Jean-Henri Seyan être président. Il va jamais gonfler Venio derrière Éric Jean-Baptiste pour être président. Il va jamais gonfler Venio derrière maître ancien sénateur, comment il s'appelle déjà, Madistin. En guise de ça, yo orienté fantôme pour aller craser le cabinet maître Madistin. Un avocat de renom, un nèg qui travaille pour le pays, un nèg. Il gomba et il gomba dit. Et idiot inutile, hein? Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire que nous préférons, n'est-ce pas vrai? Je dis à la Samuel Madistin, c'est un homme, n'est-ce pas vrai? Et depuis le printemps Belize, je vais l'autre à l'heure. Député Printemps Belize, n'a pas pour nous parler avec député Printemps Belize et n'a pas pour nous parler tout avec Mathias Pierre, OK, comme une est invité et au grand pile monde là, on a trois sénateurs nous invités depuis. Ah, en tout cas, monsieur Brouillier. Monsieur Brouillier. N'a pas obligé nous gagner un pasteur qui déjà là. OK, nous va le déraper. Donc ça veut dire que jeudi après matin à tout, jeudi à là côté nous doit aller assez mes amis. Moi-même, moi gagné avis pas dans la question de la constitution. Mais pour une réforme en profondeur au niveau de la constitution de 1957, mais comment vous le faites? Moi, j'ai réservé tout sous installation conseil électoral provisoire là. Parce que d'après moi, il était dû prêter serment quand même devant la Cour de cassation. Mais la Cour de cassation n'a pas fait bagaille pour que au moins, il y ait un juge qui termine président provisoire sous base que Jovenel Moïse pral perdit pouvoir. Donc c'est là, oui, peuple haïtien, regardez bien pour ça qu'a fait là. Tout est politique. Ce qui devrait être technique, n'est rien ni politique. OK? Au niveau de la Cour de cassation, juge était de réuni et puis yo dit maître Josué, yo dit le dossier est irrecevable. Le dossier de l'installation, n'est-ce pas vrai, de la prise de la prestation de serment des conseillers électoraux, li nul et non avenu. Et il était doué dit, selon moi-même, bien entendu, il était doué réuni
tout juge réuni, est-ce que vous comprenez? Et puis il dit que le dossier est irrecevable. Dossier prestation seulement, donc juge conseiller, les attaques beaucoup. Jovenel Moïse t'apprend. Parce que pas oublier non, Jovenel Moïse pas gagné contrôle cour de cassation. Il va contrôler lui. Même j'en avec cour supérieur des comptes. Il va contrôler lui. Donc Jovenel Moïse besoin quitter un bagage dans pays là. Mais ou même au niveau des partis politiques. Il y a un paquet de monde qui est en âge de voter. Ça qui passe. Eh bien, on alimente débat, on oriente la population vers le bon choix. Moi-même, je dis que je ne suis pas d'accord que on est goûté président, on est goûté ministre, on est goûté ministre, pour ne pas poursuivre vous. Faut poursuivre vous. Là, j'ai l'État. Là, je ne peux pas vous abjurer. Comment vous n'êtes pas mettre dans la constitution ça? Et que l'argent de l'État n'est pas de comme si l'État dit, que dilapide l'argent de l'État, j'en voulais. Même ton éboulé, je ne suis pas d'accord. Vous savez, ouais, ou qui m'a dit, ton éboulé, je ne suis pas prêt à le président républicain, Jovenel Moïse. Ça veut dire que, moi, je suis là, je suis parti pour mon nom. Je suis d'accord pour la question, comme si, pour une réforme constitutionnelle, mais il faut que débat au fait, plus en profondeur, il faut que des bagailles comme si la population accepte de fait. En deux questions. Jovenel Moïse, papa, n'y crête. Là, il paraît, il présente la constitution, nouvelle constitution, et puis nous votons, non? Le oui, le non, ça veut dire que nous avons dit non. Nous avons dit non. Mais il faut que débat au fait. Mais si le débat, si nous écrasons, brisé, chaque fois qu'on invite la population, à écraser, brisé, regardez, y'a, regardez, moi, équipe machine à bouler, machine l'État, sous qui base? Et là, j'ai un problème qui a acheté machine, oui. Et bien, on a pas dit le pays le plus pauvre. Bonjour, Josué. Bonjour Esaïe, bonjour Pierre Martin, bonjour à Cloco Désir qui a gagné quelques pépins physiques, hein, petit problème physique, petit problème santé. En tout cas, nous saluons toutes super branchées émission qui a connecté nous en Haïti tant que l'autre bord de l'eau. Et je dis à Timdi bonne fête à une belle princesse, hein, une belle princesse qui est le Kimora Nanley Brenda Alexandre. Et il est Kimora Nanley Brenda Alexandre. Et une petite vraiment très intelligente, très belle. Et nous souhaitons continuer à grandir dans la sagesse et continuer à grandir dans l'intelligence. Hein? Jean l'intelligente là continuer à être comme ça. Et moi vraiment souhaiter le bonne fête dans toute équipe matin débat et nous saluons maman qui c'est Florival Florise hein, qui vraiment a goumé pour essayer faire éducation petite li. Eh ben et son plaisir j'en connais pour nous là pour nous capable pour te baou émission ça émission et matin débat qui dans l'idée pour aider à comprendre ce qu'a fait dans pays là. Alors, il y a un sujet qui vraiment moi-même ni attire attention, moi préoccupé par lui-même, mais en pile monde tout, il y a une question banquio et qui pas gagne aucun respect pour client yo. Et même minimum là, même minimum là pour ta mettre ton parasol dehors ouais, pour client yo, l'on passé ouais yo exposé. Ou connait hier mal non banque besoin côté pour me font appel comme par arrêt dedans sécurité a dit c'est dehors pour me sortir pour mal faire si même au minimum de respect au minimum même au minimum le strict minimum banque pas gagné et pour pas bailler client yo et alors que c'est l'argent client yo qui fait nous exister. Ils ont déposé l'argent et c'est comme ça nous prend, nous fait business, c'est comme ça nous prend et nous utiliser et puis mon ami même l'Elvin derrière et un petit parti dans l'argent que le banque nous a nous traiter le temps coup bête et pas n'importe qui bête parce que écoutez dans tout pays même nous connais nous ouais comment gérer bête nous ouais qui respect yo gain pour bête mais en Haïti. Et même c'est bien malheureux que nous pas gon l'état qui a protégé population, nous pas gon l'état qui a régulé rien et nous gon l'état côté que des moun vinn la donne, yo vinn riche tout simplement et puis yo viré de yo aller. C'est ça, c'est son vache à l'air que l'état lui-même lié chaque monde qui vini, yo prend quantité à prendre et puis aller. Comment t'a voulu que mal de la jambe la banque et puis ou exposer non flamme soleil tant que pas même bon même dou même bête là même pas dire
même bête là m'pa ka di parce que ou traité bête bien et vraiment ou lagué moun nan non situation n'te ka di insécurité k'ap bat moun nan pays an ki a fait rage ou lagué moun nan tè de yo a nan soleil lan dégagé et moun nan campé tan kou petit bouk ki an bon soleil pou la fè ki ça pour la prendre pour la prendre retirer un cob nan cob que le bon kimbe en tout cas et m'ta souhaité nous gagner et youn papi bon que l'autre on va même besoin citer non ça pour ta dire ça lui même ni puis bon et youn papi bon que l'autre sauf quelque côté ou BNC et plus ou moins gain espace côté que les mais écoutez moi même comme on pas ka di moun yo pa met cob la banque parce que écoutez si cob la c'est ti money en main yo y a utilisé yo pa ka épargner pour ta payer l'école ou bien etc pour ta faire des projets on pa ka di moun yo pa met cob la banque mais banque yo dans pays d'Haïti pa gen aucun respect pour un client yo bon on dit banque yo sont échantillon généralement nous pas contre traiter moun bien et loal non business moun nan plus envie courir derrière que li offri au service lan li accueil ou bien et bon quelques business qui retiré ou dans loa mais franchement question banque lan yo exposé ou dehors pour nèg garder figou kabin qui pral la banque et puis l'entendé son course dehors tendé yo kembo yo prend cob la ou bien yo tire et malheureusement c'est comme ça lié et puis pa gen aucun autorité k'ap di rien pour parce que c'est démêlé ghetto et sous pas connait sous son café pour faire et mais pas gagne monde qui voyager sous ou pas gagne l'état qui t'a joué rôle papa qui t'a joué rôle maman cap réguler cap protéger ou et même Jean Noël au lieu l'état protéger ou elle mettait avec banquio dans question change là dans question échange dans question et l'argent question tout échange là qui pas jamais ca stable et au contraire ouais gagner mesure qui prend mesure la plus aller pour protéger banquier parce que kounya et kounya yo fait cob et kounya yo kembe dollar yo parce que et on moun par exemple on demande on dame qui écrit la bombe li écrit niveau voice li relem pour dire que li gen petite li besoin payer l'école pour li à l'étranger non seulement li pa ka voyer cob la li pa ka joindre dollar acheter pour le voyer payer l'école petite li mais il t'a même gè côté là pour bay goud yo dit non yo pa prend goud là nan men c'est-à-dire banque yo pa prend goud et ou pa ka joine dollar acheter pour capable faire transaction ou juste pour capable payer l'école petit tout ou bien pour capable faire ça gain pour faire donc voilà la situation que nous y en pays côté que voilà tout le monde lagué puis fait bio a tout pisi puis fait bio a rentrer dans la boue ça que même te gain force ça y a vinn enrichir au plus y a continuer faire mon habit parce que l'état li incapable l'état conseil des mesures par contre côté au sorti responsable qui dans l'état yo conseil des mesures prend par exemple question et circulaire ça son bon gain des économistes qui ka dit oui l'idée l'état ka bon mais j'ai la fête là c'est au détriment de couches qui plus défavorisées c'est au détriment de classe qui est pauvre là parce que écoutez longtemps il était qu'on joine malgré il était difficile lui mais on était qu'on joine ni gain dollar nan men pour le faire transaction malgré autant de ministère commerce prend décision alors d'il prend décision pour toute transaction faite en good mais non gain des cas qui a payé là c'est en dollar pour payer c'est à prendre ou à laisser gain des côtés là on va l'acheter côté yo pas mande dollar yo pas exige dollar yo ba ou la on taux qui pa gagne rien ouais à taux que au taux de référence que BRH lui même ni affiché chaque matin chaque jour attendez actuellement là li 79 good en tout cas va me tout dire ça et t'imagine ou gang qui te travaille pour autorité yo qui te fait dollar BCA est-ce que ou gang ça a mouri faut nda font tourner côté parce que et ou gang ça qui te travaille pour nous hein puisque nous te dit problème non c'est pas ton problème économique c'est pas économie lié là on a posé nos questions sur question production qui ça ne produit qui fait dollar gétant baisser comme ça goud là prend valeur nous te dit c'est ton problème et politique c'est pas ton problème économique lié est vrai parce que écoutez pas gain margin en faire cola hein pas gain margin en faire cola comme nous pas de produit et puis goud là
apprécié par rapport à Abdoula, mais nous vin clair là qu'on y a comme premier ministre là et c'est juste moi elle font poser le pas parler faut t'a dit oui et comme Jazz là t'a bien joué est-ce que Jazz là toujours a bien joué parce que il t'a dit ça fait le pas parler dans la presse c'est parce que Jazz là bien joué et dollar les 79 good 15 on baille comme ça ça c'est tout que BRH est affiché mais ATA nous connaît li 85 90 et gain de côté le 100 good gain de côté même dépendamment de quantité l'argent t'as besoin hein, li en versant c'est-à-dire c'est ça lorsque nous gain des autorités qui a tâtonné lorsque nous gain des monde qui a prend décision pour nous qui a comporté ou bien a comporté en tant qu'amateur ou bien aussi amateur c'est dans situation ça on a toujours eu un pays qui a patogé dans la boue un pays qui ou gain impression c'est manger terre n'a fait en tout cas on joue la joue moi espérer que un pays et j'ai qu'on dit là pas qu'on mourir nous espérons que BE Haïti a bien pour le recamper pour le jeune des dirigeants qui dignes de ce nom, des dirigeants qui capables de prendre des décisions utiles pour la nation. Bonjour tout le monde, je connais, c'est toujours un plaisir pour nous capable là pour nous capable porter émission ça pour vous. Émission matin débat, une émission capable de comprendre et de voir plus clair dans ce qu'a fait dans le pays. Bonjour bien matin. Bonjour bien matin. Bonjour José Jaï Louko, bonjour à toutes et technicien, technicienne, qui, quel que soit dans le service Coréa, qui fait partie de l'équipe là. Alors, jeudi à ce 31, c'est le dernier jour mars là. Alors, nous disons courage à tout le monde de Saint-Louis du Nord, et qui gagne petit yo, petit authentique yo, et Jacques Garçon, qui la famille Garçon, et qui allait, une grande famille, Saint-Louis du Nord, Jacques Garçon, qui était député. Et dans la 45e législature, et les salles étaient sorti dans l'élection et dans la finale avec Smith Griffin. Smith. Et nèg des rues. En tout cas, nous saluons, nous disons courage à tout le monde. Mais c'est pas Tikas Blad non qui gagne dans la question de la mort Jacques Garçon. Hein? Il y a un blague, oui. Et il a mis des gens trop, il a ceci, si c'est là. Bon. Jodi important et Robinson et sous question alors d'abord il gagne support technique que le gouvernement lui-même lui mandé à OEA et on parlait tout de question ça a posé qui ça ne ka dit est-ce que PNH là était échoué dans village de Dieu comment ça lui-même n'était passé. Bon, et évidemment, José Lexidor, moi-même, il était intéressant pour poser la question. Est-ce que l'opération PNH dans le village de Dieu était échouée? Jean Pilmon a dit que la police, la PNH, était pratiquement à genoux dans le village de Dieu parce que tu as gagné quatre policiers qui tombaient, qui mouraient. Et puis, tu as gagné huit ou bien sept policiers qui blessaient. Mm-hmm. Et moi-même, moi estimais que. Et à partir du moment où le président de la République, le gouvernement ici a demandé, évidemment, on aide technique, on support technique à la PNH, et ça vient faire comprendre, ça t'a voulu faire comprendre, évidemment, que PNH n'a pas la hauteur, il n'a pas qu'à faire travail là. Mm-hmm. Mais en réalité, il s'agit de la grande délinquance, hein, de, on parle de délinquance parce que notre texte qui était publié sous page, président de la République, là, il te parlait de banditisme, il te parlait tout de terrorisme. Même pas voulu tellement parler de terrorisme, je voulais parler de la grande délinquance, parce qu'en réalité, c'est des jeunes, peut-être qui ont un problème par eux, qui ont acheté, qui ont instrumentalisé, et puis qui ont fait des gars, qui ont fait l'obéir, en dans le village, tout comme ils ont fait, en plus l'autre côté, tant qu'au grand ravine, etc. Mm-hmm. Mais, je veux dire, t'es gain aux opérations qui fait, et le 12 mars, gain des policiers qui tombaient. Mm-hmm. Mais est-ce que opération ça échoue? Pour moi, son questionnement, mon cas d'un questionnement pour me dire que mais finalement, et qui ça nous vient comme données? C'est vrai, nous connaissons des policiers mourir, nous connaissons des policiers blessés, mais les policiers, ça a été entré. Ils ont été entrés avec M60, ils ont été entrés avec Tank. C'est-à-dire que c'est pas croisé ou t'as croisé bras ou en dehors. C'est pas Chico Zam, ça a tiré. Pardon? On dit c'est pas Chico Zam, ça a tiré. Non, il va Chico, justement. C'est-à-dire qu'ils ont entré, bonjour, les gens ont engagé, il faut désengager tes têtes, et puis ils ont désengagé tes têtes, il faut qu'ils tirent. Maintenant, est-ce que nous avons demandé, nous, qui
qui est-ce qui mourit dans le village? À part du policier qui mourir, qui est-ce qui mourit? Est-ce que il y a des gens dans le Badaïzo qui tombent? Est-ce qu'il y a des familles qui sont victimes? Parce que les policiers ont tiré et ils ont tiré, ça a été fait quand même. Ils ont été tirés, ils ont été démantelés en gang. Mais qui donnait nous gagne? Et ça fait un petit peu là, parce que ma vie, je fais ça dans la qualité là, côté ma vie, responsabilité des institutions. Est-ce que, au état-major, PNH là, m'a parlé de CSPN, non, est-ce que lui, au moins, sachez qu'on est combien de monde qui tombait dans le village de Dieu? Même s'ils sont police civile, parce que là, nous clairs, José Luxidor, sont police civile, nous gagnons. Et là, comme police civile, ils misaient principalement sous dissuasion. On voit les policiers avec des séries de gros armes dans le des séries de gros chats, des séries de gros tanks dans le et puissance de fait ça, les gagnent vertu, les gagnent mérite, dissuader n'importe qui monde qui veut faire des zones. C'est comme si on parle boulot lumière ou là, à partir du moment où, ouais, ils ont policiers, on abstient de le faire. On passe là encore. Donc, police sont police civiles qui disaient principalement sur la dissuasion par rapport à la puissance de feu que le gain a, les captivés. Maintenant, en plein danger face à ces groupes paramilitaires, et on va penser que les policiers qui étaient en dehors, quand même, nous avons pensé aux chiens de garde et que le gain, tant que les organisations des droits humains ou bien l'inspection générale pour l'État, comme ça, cimetière là, main danger, cimetière là, est-ce que, et organisation des droits humains parle de ceci, est-ce que parle de cela, ou bien est-ce que l'inspection générale va prendre des mesures contre moi-même? Donc, il était en danger, il a tiré, mais qu'on donne, si est-ce qu'il y a un autre donné, combien de monde qui est victime véritablement dans le village de Dieu? Alors là, Robinson... Ça arrive le 12 mars, okay, et okay. Ça arrive le 12 mars. Oui. Jusqu'à présent, n'a suivi que le village, ça pour qu'on jamais déplorer un seul mort. Chef de gang, fait silence. Famille, parce que il y a des familles, il y a des familles en dans le village. Yo fait silence, mais finalement. Doigt de l'homme absent. Si c'était mon population qui était mouru par agent de l'audio, rapporté que tu as écrit déjà, elle soit bonne, publiée, voyez aller à l'étranger. C'est ça que tu as. Alors, la question, Robinson, est-ce que l'organisation doit moun yo, yo pas gagner une responsabilité là tout pour ta chercher qu'on est, hormis autorité, légalement établi, yo, parler là, de CSPN, non, qui t'a doué chercher information, mais l'organisation doit moun yo tout, est-ce que yo pas gagner responsabilité tout pour ta chercher qu'on est, ça passé réellement en deux villages là, ça qui t'est passé réellement en deux villages dernier. Oui, mais effectivement, c'est ça, moi, c'est l'organisation doit moun yo, bah, chercher qu'on est, effectivement, combien moun qui mourent dedans, il faut que qu'on est combien de monde qui mourent dedans. Parce que même si on dit bon son village dépend dedans et au complice et parce que là moi-même toujours dit ça même pas je l'ai dit que tout le monde qui est dans le village là qui agit sous PNH là parce que les villages arrêtés pas jamais dit elle pas jamais dit qu'il y a monde qui mourit hein ça va démoraliser PNH là ça dit c'est comme si PNH ça pas dit grand rien paraît tout est pas attendu dedans regarder ou t'as regardé monde et puis bon tirer sur yo mais non c'est que bah qui fait faut bien des données je veux dire pour remonter morale policier yo pour nous connaître mais qui est qui victime est-ce que bon isoa des monde qui victime la donne et si il y a des familles qui victimes dans quelles conditions qui sont victimes tu as supposé même dire des enquêtes. Alors pour dans la population et Robinson est-ce que ne pas kawel tout comme on dit là tout est-ce que tout yo pas à la merci des bandits le fait que yo connaît yo pas gagne l'autre côté pour y aller yo en dedans et yo pas veulent faire des déclarations qui va mettre la vie yo en danger par rapport avec bandi yo. Moi c'était ça mais en posture de triomphateur. Je ne veux dire on pas senti que le seul gagnant hein c'est le village de Dieu. Mais non, là nous sommes ici. Par exemple, donner ça, c'est extrêmement intéressant. Pour nous connaître, est-ce qu'il y a des victimes dans la bande ISOA. L'étape très importante pour nous et pour la police nationale d'Haïti. Hein. Parce que le village de Dieu n'a pas vraiment triomphé de sa partie de dans le cadre d'opération ça, qui était mené le 12 mars à village de Dieu. Non. Pas vraiment et triompher. L'autre aspect dans le dossier ça et Robinson, est-ce que là nous capables dit c'est fini pour cadavre et bon c'est capable de ça encore de policiers malgré promesse qui était faite à famille que yo t'a pas chercher et cadavre yo ba yo.
Bon, et j'ai fait pratiquement une semaine où tu as parlé de ça. Je pense que les gens nous supposent lutter, je ne veux dire. Je me suis toujours demandé pour nous réinventer lutte, nous, je ne veux dire. Et il y a des institutions qui nous étaient supposées, par exemple, des manifestations, les parents, etc. Moi-même, personnellement, je parlais avec un proche, un policier victime, qui dit lui-même, il n'y a pas affaire à la mairie, il n'y a pas affaire à la CSPN, à l'exiger ceci, à l'exiger cela, parce que. Et mon amour, il mourit net, il n'a pas demandé rien, il peut mettre l'école. Il peut mourir pour lui-même, et puis pour vivre tranquillement après, pour voir s'il peut éviter la mort dans le pays. Si nous avons des luttes, nous avons des frères. Ou bien des luttes, quoi, mener. Ou mener, par exemple, je vais dire, en manifestation. On a fait une manifestation là, ou bien plusieurs mois, on a fait une manifestation là, ou pas, t'as dit son promenade gueulier. Non. Non, c'est-à-dire, à nous mener lutte là, il y a des séries d'institutions, nous doués par la veille. Par exemple, on a demandé que les populations aljoignent, magistrat Luxon, par exemple, Luxon janvier, pour parler avec, pour le dire comme ça, qu'il y a des policiers qui mourent exactement dans la commune, comment on fait mourir et que DPC, parce que les magistrats ont un paquet d'outils dans la main pour aller chercher les cadavres. Et ce n'est pas seulement les cadavres policiers, même du tout, il y a des membres de famille à village de Dieu qui mourent. Et les gens qui mourent, comment c'est mal fait? Ou imaginons une famille qui vient faire mon adam à village de Dieu. Dans le cadre d'échange de tir, etc., et puis il y a un petit monde qui est tombé, ou bien une femme enceinte qui est tombée. Ou imaginons, famille ça, était lié, petit client, après enterré, enfin, là, il y a tout, et peut-être à village de Dieu, ou peut-être femme enceinte, ça, là, il y a tout dans village de Dieu, mais il n'y a pas qu'à dire, ouais, ils ont mis, il n'y a pas qu'à dire rien. L'obligé de taire, l'obligé de faire silence sur ça. Ça, c'est une série de crimes qui a privé sous crime, ça, qui a passé. Et je pense qu'il faut gagner des données, il faut gagner des informations. On n'a pas été pour nous regarder le village de Dieu comme, en fait, chef gang village de Dieu comme des triomphateurs, hein, comme des gens qui remportaient la victoire. Et puis, nous regarder la police nationale comme des agents qui ont échoué. Merci beaucoup. C'est intéressant du tout, ça va le démoraliser. Merci un peu, Robinson d'Haïti. Rendez-vous demain pour une autre édition. Rendez-vous pour demain et j'aime bien et faut que nous corrigions faille méthode précédente et toute la police nationale dès qu'on fait ça va dire bon pas de bon nous va corriger faille pour la police nationale d'Haïti continuer à accomplir mission qui s'est protégée et servir en attendant évidemment mettre l'exidor les données faut que nous joignons données voilà. Dis-moi combien de monde qui mourit effectivement dans le village de Dieu dans le cadre d'opération ça et pas seulement quatre policiers qui mourent. Faut que dis-nous combien de monde qui mourent. Voilà. En tout cas, voilà. Merci un peu, Robinson d'Haïti. Merci, à bientôt. Voilà. C'était. Et les policiers. Alors, PNH, Village de Dieu, l'opération avait-elle échoué? On a rappelé le numéro Robinson d'Haïti pour capable continuer à faire des bacli sous éditorial. C'est là, c'est 31 55 43 25, ou capable de pour continuer à faire discussion, commenter éditorial la clé et qui si c'est et proposer le, et des sujets tout. Et c'est problème. Ça que maintenant débat, donc on va poursuivre avec l'émission hein. À 11h49. Eh bien, nous allons recevoir en direct et mon qui dans studio à Fontitan, nous allons recevoir un monde et Mathias Pierre qui c'est ministre chargé et des élections et monsieur le ministre Mathias Pierre ou c'est ministre chargé et des élections et puis ministre également et du gouvernement et jodi à la le débat est lancé le référendum en pile monde pas d'accord en pile monde montré. Yo gagne un grief par rapport avec texte qui est gagne avec avant-projet loi, avant-projet question. Et qui bon n'a pas abouti? Est-ce que moun yo doit aller et de penser que yo pral voter oui ou non? Ou bien est-ce que toute machine nan embrèl pour que référendum nan fait en juin, cabine là? Et m'a salué Esaïe et m'a salué tout l'autre camarade qui sous plateau. Son plaisir pour moi pour me parler avec vous matin et m'a saluer certainement toute auditeur auditrice et matin débat
Et nous devons dire que c'est une bonne chose, si nous bien comprenons la question. Tout le monde qui dit yo d'accord ou bien yo pas d'accord avec le texte qui sortit. En objectif là, c'est exactement ça. C'est ça. Il y a un comité consultatif indépendant qui met en place. Job li, c'était proposer yon bagay à la nation. Et ça qu'il t'a proposé à, c'est yon avant projet du texte. Donc, avant projet texte à li nan la rue, et avant projet texte à li en débat, et qu'on y a une société à, bien pour réagir, pour dire, m'a pas vle sa la donne, mais qui ça m'vle la donne. Comment société après agir pour dire li vle ou pas vle? Même parler de projet là. Tout à l'heure, oui. Parce que comité a, c'est ça, li gen pour le faire comme travail. On nous prend deux cas spécifiques que m'bralbo exemple là. Parti politique. Un document qui sorti a, li gen une proposition pour que gen un parlement monocaméral. Ça veut dire un seul chambre. C'est ça, moun ki travaille sur texte, c'est ak sa yo sorti. Moi-même, c'est ministre chargé des relations avec parti politique. Parti politique yon dit jamais. Parti politique yon dit fok gen yon sénat de la République, même si peut-être son sénat réduit, mais yon a campé en face texte si pa gen yon sénat, ça veut dire que yon parlement bicaméral. Correct. Donc, job mwen, c'est voyer toute constitution, tout parti politique yon 253 nouveaux textes ba yon, gen sa bin pran l'ICIA. Bien ça que nous voyons le bureau yo. Bon bien avec tout qui pas quitter sécurité yo recevoir yo c'est pas grave mais nous voyons tout côté maintenant nous gagnons pour nous inviter parti politique yo puisque yo même y a le faire réflexion la caillou avec sympathisant yo pour yo faire proposition sur texte là nous pas bien pour nous faire un atelier deux jours avec parti politique yo et yo même yo pas chita dans atelier là pour yo di mais qui ça yo vle en termes de recommandation qui al nan texte ça et moi-même comme ministre qui charge relation avec parti politique c'est prendre recommandation ça yo al pote yo by CCIA sous forme de document écrit alors si nous comprenons là ça veut dire que avant projet ça qui vini hein texte ça et li a modification li capable modifier n'importe quel moment c'est ça lié okay. Son avant projet qui en discussion en débat qui c'était une raison qui te fait repousser le référendum là okay. C'est pour te cap bay société a plus temps pour moun embrasser texte là comprendre ni je dis à dernière version li en créole en français comprendre ni réagir sous li et dit qui ça nous voulait la donne alors c'est ça que... avant que la l'envoie donc ça veut dire que parti politique au lieu d'inviter population dans la rue c'est débat pour faire dans parti politique yo, et puis et faire des recommandations c'est sa démocratie et m'pral bon deuxième cas gen nan texte là et mesdames yo ministre condition femme organisation femme il est enragé yo dit que les regarder texte ça et gagné en élection 2015-2016 yo te gagné un total de 6844 moun qui étaient élus dans toute élection et en dans 6844 moun ça te gen 11 sénateurs femmes sous 30, 3 députés femmes sous 118, et puis ou te gagné et à peu près 2600 femmes, et au total qui étaient élus, c'est parce que décret électoral là te forcé que des cartels de 3 mouns pour magistrats, donc 139, donc te gen 139 femmes au moins, cartel et Kazek qui te gen 3 mouns, dont yon femme, te gen 566 cartels, donc 1 femme au moins, et avec délégué de ville qui détecte les femmes. Je dis à mesdames, je dis, il faut que nous allions un step, une étape plus loin. Okay. Ça veut dire que faut que nous arrivions à mettre ça ou l'eau des sièges réservés aux femmes. Pour me rappeler que 8 mars qui se passe là, pression qu'a fait, le président dit lui-même et demande travail avec experts dans le bureau sous une proposition. Pour soumettre sous question siège réservé pour femmes. Nous travaillons, je vous dis, nous avons un document, un draft de document qui est disponible, draft de document ça qui ça le proposer, les garder bien dans
c'est une élection avec 2844 femmes qui moun qui étaient élu au total dans 2600 femmes. Dans la nouvelle constitution dans texte qui proposé à si élection ta fait jodi a sous li Jean Lier a bien à peu près 911 moun qui élu mais risque gen la donne le fait que éliminer cartel ça veut dire pas qu'a fait discrimination positive et comme ça ça veut dire qu'on risque pas gen femme qui élu sous pas gen des sièges réservés aux femmes okay. Au minimum dans chambre députée et mais qui s'est passé nous travaillons sur une proposition côté jodien gagne au moins 35% siège réservé par département aux femmes et façon que yo pral choisir siège ça yo c'est pas grand pile nèg qui commencer des nèg qui candidat pour député qu'après les qui pensait que c'est pral tirage au sort que a fait pour yo choisir on ta capable dire des circonscriptions pour dire ça à ces femmes non c'est pas ça a bien quantité circonscription garçon femme j'ai entayé a bien des l'autre circonscription qui a ajouté qui c'est des circonscriptions femmes côté parti politique pour l'obliger vous et seulement candidat femme dans circonscription ça yo de sorte qu'on garantit que 35% au moins femmes qui élu le gain élection. OK monsieur le ministre monsieur le ministre ça c'est ça mesdames vous pour vous nous même nous font proposition de soumettre et certainement c'est CIA et comité consultatif indépendant li pral gagner les recevoir recommandation ça yo qui se et l'autre jour grand pile réunion k'ap fait gen atelier k'ap fait sous question ça yo si proposition ça yo vinn en force yo passé et bien certainement c'est il y a pas bien l'autre choix que intégrer yo en dans texte nouvelle constitution alors monsieur a parlé son débat qui ouvert dans société a correct au lieu nèg k'ap faire manifestation en nous entendre dans débat démocratique soumettre proposition et recommandation à CCIA faire pression pour yo rentrer dans texte là et n'absorbe en constitution qui reflétait ça Haïti a cherché. Correct, monsieur le ministre. Donc nous pour aller nous connaît que nous n'a parlé de référendum, question de budget, n'a parlé de conseil électoral et c'est conseil électoral là pral fef pral mettre qui t'a supposé mettre toute et machine en branle pour que gagne un référendum parce que depuis gagne un référendum gagne vote. Maintenant qu'on est là, nous connaît que la Cour supérieure des comptes pour que jamais river selon information yo bay avis favorable pour que gen déblocage qui fait des fonds pour conseil électoral la travail qui sont ka répondre ça bon et moi personnellement pas touché de question en tant que ministre et chargé des questions et électorales et relations avec partis politiques yo et job nous c'est si effectivement gros problème comme ça qui posé et je pense que c'est au niveau CEPA et administration CEPA, président et conseil électoral là qui en charge de questions élections, l'a fait et suivi avec nous et avec le gouvernement. Et Jean, président, m'a dit nous pour nous faire, pour nous capables de faire lien avec toute organisation, l'État, pour débloquer ce qui doit débloquer. Et dans le moment que nous-mêmes nous recevons une requête comme ça, certainement, et job nous c'est faciliter relation entre CEPA et différents organes qui étatiques yo pour nous voir comment la débloquer pour le moment on peut toucher de lui et donc moi pas capable parler de lui comment ça y est-ce que tout bagaille yo est clair coup clair rose tant que yo dit pour question référendum nan ak toute élection est-ce que gouvernement bon, que et nous pas pas dit tout bagaille clair rose n'a dit que bon processus qui en cours organiser élection ils sont processus qui prend temps ils mandé préparatif CEPA a travaillé d'arrache-pied qui pour le préparer etc. Au niveau gouvernement haïtien il y a des dispositions qui prend il y a des fonds qui décaissés qui pour permettre travail à avancer par exemple nous connaît que gagner qu'on connaît tout il y a 20 millions de dollars qui en dans fonds fiduciaires pour permettre faire processus commande des matériels non sensibles et autres bagages ça en cours et peut-être selon CEPA d'ici fin mai des matériels qui ont déjà entré en Haïti qui vous permettre faciliter processus là et au niveau pour CEPA lui-même nous connaissons que au niveau gouvernement il y a à peu près 123 millions gourdes qui déjà décaissé pour fonctionnement et CEPA nous connaissons tout que CEPA a gagné des recrutements que le gars a fait à peu près plus de 477 personnes dans différents bureaux yo recruté yo concours fait
et fait formation et mise en place bureau. Donc il y a un processus qui en cours. Je pense que la démocratie a ses alliés, c'est un jeu, c'est une compétition. Moi pense que aujourd'hui toute femme, tout garçon qui gagne popularité, toute femme, tout garçon qui veut embarquer en dans démocratie, moi crois que faut qu'il pare pour y aller dans élection. Référendum là, c'est une consultation populaire côté que gagne une constitution que 86% monde dans pays a mandé. D'ailleurs, autant dit même dans si nous songe Mariotte, nous tandis que nèg yo te mandé conférence nationale souveraine. En de conférence nationale souveraine, yo te mandé pour gagne une nouvelle constitution. Jodian, nous dit yo, eh ben président Jovenel embarqué, il prend au mot, l'a travaille sur faire nouvelle constitution, embarqué la donne. OK. Et incohérence et politique qui gagne très souvent, c'est côté nèg ta boumen bon bagage, c'est ça le vle, et puis quand l'autre mon avèl et puis le compte. Ça veut dire que jodian nous pas pral dit que constitution 87 c'est une mauvaise constitution, non, son constitution qui consacre un pile à qui démocratique, mais nous d'accord tout, c'est une constitution qui crée un pile conflit. C'est ça. Pays. Merci et monsieur le ministre. OK. Je parle de quantité de monde qui élu que l'état pas ca répondre à salle de ou de kazek et 11 mois ou de kazek 12 mois ou toujours non caché fait couvrir ça. Et il y a à peu près un budget national qui centralisé, une décentralisation qui n'a jamais matérialisé, ou bien des exclus en dans la constitution. Ça n'a pas parlé de jeunes, on a dit jeunes, on a regardé qui ça, qui est constitution exigée en termes d'obligation pour créer emploi, pour créer travail, pour faire crédit à jeunes. Ce n'est pas très évident dans la constitution 87. Nous allons marquer la pause, monsieur le ministre. Qu'est-ce qu'on fait pour nous? On a parlé de femmes qui c'est des exclus. Je dis, il faut que nous fassions travail côté nous pour une constitution qui est inclusive, qui entre tout le monde. C'est le moment d'arriver à quelque chose de mieux, consacrer, conserver, et ça, on est capable de dire à qui dans le cadre de 27 jours, corriger. Par exemple, si on regarde, il y en a un plus gros problème qu'une gagne dans la constitution de 27 là, où il y a trois élections dans une période de 5 ans. Ou bien sénateur pour 2 ans, sénateur pour 4 ans. Dans la nouvelle constitution, on va gagner une seule élection chaque 5 ans.